Ma Mission TV, le miroir du monde. L'église catholique commence à exagérer. Avant cette menace-là, Namatanga ya Kondo Laurent Monsengo. Comment un archevêque, un évêque, un cardinal de son état peut se permettre devant les chefs de l'État, Kolobakeno, voilà pour rendre hommage à Laurent Monsengo. Les gouvernants doivent cesser de vivre dans l'opulence et dans l'impunité. L'Église catholique fait de trop. On parle au public, on parle en public. Il y a des choses où nous avons dit que 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 nous avons menacé, Bazali bien identifié. Mais ce peuple congolais, moi je crois que c'est un prétexte. Hein. C'est juste un prétexte. Candidat, par la majorité à la confession religieuse. Ton unité bandeko bazo et la biso mardi, soit mercredi. Pour candidat la bango peut-être à l'équité, baya ko loba ke pour ceci c'est ça qui va le quota. Hier, et ba toi église d'Hervé Balbaki amo parce que ça là qui na ngam na bino, bobeta ki mbo. Oui, il y avait des menaces ben posées bango malonda. Aujourd'hui, c'est l'église catholique qui sort bolobité. Pourquoi? Parce que bois derrière barrière pensée. Non. Vous avez vu vous-même comment bande Konabis sur l'église catholique, ben, dans leur démarche habituelle, ils ont commencé à tirer. Non, nous avons. Respecter l'église catholique, c'est la plus grande force. Là où l'État n'est pas, l'église catholique est Zalaka. Il y a des endroits où le service a été réalité, mais l'église catholique continue à cause de sécuriser, peut-être que ça va y qui déjà les lots, bah, comme une colombe menace, moi je me réfère également à ma propos de Ndeko Sony Kafuta à l'époque. Que est aussi tant que pendant qu'il ne corrompt pas l'onda, bah soit qui bah même menace. Mais quoi il dépasse les lots, bah il y a qui bah plusieurs stratégies. Oh, il faut d'abord recensement. Il faut boire naboyer les lots. Peuple qui en a besoin ma pendant. Parce que ne corrompt pas. Par rapport. Non, le recensement est d'ailleurs important. C'est mon côté la minute joyeux. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote nabino bandeko balandi zali sou esengo mingi ndenge to bandi mokola lendi mokolelo wapi to bandi semaine ya sika ezala ke sengo tango to kutana kabiso nabino to beta masolo ya Congo bandeko na ngai na pesa ka mbote na bandeko bazomi libanda ya mboka ba o bazali na libanda ya Congo ba kolanda Congo pona koyeba makamoni zali koleka na mboka na biso na pesa ka mbote pe na pesa ka mbote na ba kongomani nyoso oyo bazomi na baituka nyoso ya mboka na biso ya République démocratique du Congo bozali ebele solo bokolanda basango ya mboka na biso bandeko na ngai ezali esengo mingi po ete lelo tokobeta 7 na o etali vraiment masolo ya mboka boyebi bino moko ete mbula matadi sa malokonde bazali na séminaire pona koloba ete na malakisi wapi kuna pe mokonza mboka yaki koklosura na bango o ezalaki makanisi na bango o ezalaki lisangisi na bango o ezalaki seminaire na bango po ete ya solo makambo ekende liboso kasi motuni etikali moko na bayimboka po ete lobi tokozi ya maponami motuni etikali kaka moko na bayimboka po ete lobi esengeli seni azala na banimateur makambo etikali kaka moko lisusu mpona koyeba ete banti valeur ezali ebele na mboka na biso makambo etikali ebele mpona koyeba ete sosiale ya bakongole mpasi ekosila mokolo nini 2023 ekoya ya solo mokonza mboka bayaki ete esengeli korespecte constitution esengeli ete maponami ezala 2023 kasi mpona kokoma yango makambo ezali ebele gouvernement sama lukonde mpona koloba ete mbula matadi sama lukonde ezali na bapriorité ebele na yango tokobeta 7 esengeli mpe boyeba ete ekomi na mwa momisano tomonaki ancien candidat président de la république Noel Tshiani oyo apesaki makanisi na ye na oyo etali bokambemeli ya mboka mpona kozala bokambi ya mboka esengeli ozala na tata na mama oyo azali congolais kasi yango ezali kokabola kasi tomoni mpe kandida mosusu oyo alesh ekumba yepa ye na likanisi mpona koloba ete na ancien président de la république joseph kabila esengeli kotala na oyo etali parke ya kingakati bozwi na yango misolo na yango mpona kolave na toute soupçon bozali kolanda makambo yango te ezali kokende kazali mpe likanisi ya bayimboka ebanda kaka boye ebanda kaka boye apo ekomi kokende kasi motuna na ngai kozala
si mande ko Joseph Kabila ndenga yisi malouan Désiré Kabila oyo ya solo atika biso si ma kondo mobutu pe atika biso kasi si ma Joseph Kabila eko banda bongo si ma Félix Tshisekedi pe lobi eko zala bongo si ma Félix Tshisekedi eko zala bongo eko suka ape e bongo statut ya ba ancien président de la République eko zala ndenga tala makanisi ba imboka esenge to solo nango parce que zali tabute parce que lelo ezali ndeko Félix Tshisekedi lobi eko tapende ndeko mosusu oyo akokitana Félix Tshisekedi kasi yango pona eta statut na bango bozwi na bango makambo eta di bango salaire na bango nyonso wana ekoleka ndenge nini. Voilà en passant bandeko bandi moi mon cœur oyo to kobeta cette sur to zungonga na masolo na biso ya lelo esengebo ba ete ba religieux et pona koloba ete bandeko na biso oyo banganga zambe oyo esengeli ba batia ba oba kokamba ya solo lingomba sini toko ka ba menace bolandaki bandeko senko bolandaki bandeko ba confession religieuse moi mingi ba koloba ete menace ezali makasi pona bango pona kotia oyo kozala wana me ba kobanga po ete ya solo ba komenase bango pona liwa to baki ete tokobeta masolo po ete bazali ba kongomani bazali bana mboka esenge to solo na yango toyambi pona bino na poko alelo na loboko na ngai ya mwasi toyambi pona bino mwana mboka tokombe oyo azali analyste politique na pese mbote mwana mboka tokombe mbote na yo ndeko Flavien merci na ndenge oyambi ngai lelo esusu na plateau na plateau na biso toyambi lisusu mwana mboka Jean-Pierre Belesi oyo azali molobeli ya PPRD na opposition oyo malamu na emission na biso ya lelo ndeko Flavien na pese yo merci mingi na invitation na yo na kulinga pe na pesa baimboka biso zalo na biso mbote mais aussi meko débattre ce plateau kozala opposant de ko Flavien ezali injurité parce que j'ai insisté à chaque fois baebi que notre sale en opposition hein c'est ça la parce qu'a insisté ali c'est ça la beauté à démocratie et puis que bao bazale le pouvoir le lobalenge là parce que lobby na 2023 bao zonga na matondo mingi na manzi po okoloba okotalaka ndeko kabasse le Donald na présenté azali moko ya IDPS boyi malamu na katé yon sacré boyi malamu na katé émission na biso tonga lelo merci beaucoup ndeko Flavien ouais vraiment na PCP bandeko nyon sombote. Je crois que Ndeko Nanga, il faut assumer. Nous, on a fait 38 ans. Je pense que Toyebinan sort à Bangoté. Mais la démocratie est dans. Je crois qu'alternance est Kozalakak. Ndenge na yamba ba panzi sango la émission na biso po ite bazaka ba journaliste d'investigation ba pesa ka makanisa mango to ami mona mboka Gautier se mbote di susu pe boyi malamu na émission na biso mbote Ndeko Flavien mbote na ba ko débatteur nyonso mbote na ba imboka ba ko landa biso na poko alelo na ko plaider pona débat républicain to ka bo makanisi toujours débat républicain to éviter ba tag personnel merci maton domingue enfin to ami pona bino mona mboka Willy Kosi oyo azali pe analyste politique assistant na UPEN mbote na yo mwana mboka pe boyi madame na patron na biso mbote papa sentinelle matondi ndenge ya minga na esika oyo napesi mbote na bandeko nanga nyonso baza na plateau pe na bayimboka nyonso bazali kolanda biso. Voilà bandeko balandi tokoti na kati ya mozindo ya masolo wana tokobanda na bandeko na biso ya union sacré awa ezali union sacré mokolelo ezali représenté par maître Kabasele Donald oyo mbala liboso toyamba ye na émission na biso atako invitation ebele andima me akimaka ndima na baki ya mbaloso okimi na kofundo mpenza liboso ya population mpona koloba ete bokokoka soki kodefendre mwana mboka Félix Tshisekedi te mais lelo oyo aye quand même korepondre na mituna biso na opesa ye 2 minutes mwana mboka Donald Kabasele ya solo tozali kokende liboso maponami tomonaki mbula bataille mpona koloba ete gouvernement sama lokonde bazalaki na kati ya séminaire tomonaki mokonzi ya mboka oyo bozali kodefendre mpe vision na ye azalaki na bango mpona kotalisa bango nzela oyo esengeli bango batelema bakende kasi maponami ezali liboso maponami ezali liboso tokomona ete esengeli na gouvernement sama lokonde atya misolo po ete maponami esalema dans le délai mpo mokonzi ya mboka azongelaki suku na koloba ete maélection ezali esengeli bato bamilengela. Alors, mituna ezali kaka mbongo na oyetali banimateur ya seni kuna bamenase ezali kuna boyokani ezali nano te bakobanga bakomona makambo mono ezali kokende kasi ne tobandi mokolo alendi oyo na banzi na poso oyo bango bakodesigne oyo bango mpe mokambi oyo esengeli akumba seni yo kotala yango ndenge na miso ya bino bayi politike. Merci beaucoup. D'abord, je crois que oyebi malamu ke eza première fois ete peut-être bosani. Ça fait peut-être longtemps que Yamanga na tokuna. Ah Batundu. C'était sûrement l'année passée. Wana bozana na pouvoir. Wana tozana na opposition. Mais il y a pouvoir peut-être non. Toki makate parce que toza toujours disposé ya koya ko kabola makanisi na bana mboka. Alors d'abord ya liboso, je félicite mokonzi mboka pour l'initiative.
parce que au moni ba membre du gouvernement, c'est vrai, ezali gouvernement et union sacrée ou ezali kokamba ma selon vision ya mokonzi mboka. Il fallait que, parce que ba warrior ba guerrier wana nde mutu bazali ko porter action gouvernementale, il fallait bazala en odeur de sainteté dans mokonzi mboka. Voilà, il fallait qu'il vienne leur dire ce qu'il attend d'eux. Mm. Et il l'a dit ba tunyo so balandi yango. Il attend le résultat. Azate a lingité bango bazane ti ba ministre mususu ya ba discours rebelle, c'est stabilité du cadre macroéconomique toyoka wawa ba biloko to d'échange tout ça. Na libenga ya congolais mutozo liaté, mutozo melaté. Voilà pourquoi ce séminaire là. Et donc nous encourageons le président de la République, na premier ministre, na ba membre du gouvernement et nous leur demandons que ba continuer na vision ana ya mokonzi mboka. Concernant Makambwaseni, ndeko Makambwaseni, mouto aliboso ya ko rassurer peuple congolais pour naba élection ya 2023, ezala kingate. Eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bandeko banda ki deba moko hoté na makam ndengezo kende, il n'a pas l'intention d'organiser les élections. Et c'est banda ya. Oh non, il veut glisser, il veut. Jour à lobby. Nandenga eko sala ba sorti médiatique quand il dit, il promet au peuple que je vais revenir en 2023 nakoya devant bino pona ebisa bino sait que je compte faire pour bo élire nga débat échangé et comme ici du sous-soutien que oh a organisé l'élection te comme ici que oh élection moto zo mona bien te vous avez vu vous-même comment bande kona biso ya église catholique ben dans leur démarche habituelle. Ils ont commencé à tirer, non, nous avons, il n'y a rien qui prouve qu'il y, a, il y aura des élections. Finalement, les lots, Bazali devant l'histoire, voilà. Ils sont dans des confessions religieuses pour Nakopona, qui sera le président Yassine. Mais ils ont déjà commencé à poser des questions. Ce qui est là, c'est que le chef de la confession religieuse, Bazali, menacé. Comme Mdeko Chole Alobi. Alobi qui est battu et qui est menacé, Bazali bien identifié. Mais ce peuple congolais, voilà. Pas congolais, tout ça n'a pas ce peu de Bazali qui est intimidé. Mais si c'est une politique qui consiste déjà à fuir en avant, pour la Koloba peut-être après, parce que jusque-là, nous un peuple congolais à témoin, ils sont tous engagés, Bazali réunion. Bah sanctionner réunion à la part un communiqué. Voilà. Bah confession religieuse est allée 8. S'il te plaît, c'est très important. Na 8 wana, bah ça a deux modes à choix. Mode à libosse est allée consensus. Ce qui consensus, c'est simité bah qu'on na vote. Ndeko catholique, bah ça a une voix. SCC, bah ça a une voix. Bah confession là, moussous, bah ça a bah voix na bango. Candidat, qu'on les cause à la candidat, ouais, bah copona, par la majorité à bah confession religieuse. Ton limité, bah ndeko bah zone et la biseau mardi. Soit mercredi, pour candidat à peut-être à l'équité, il y a un besoin de quota. Voilà donc, Matondo, nous Matondo voulons vraiment préciser ça. Aussi, il y a un besoin de quota, il y a besoin de Kimia. Donc, il y a un besoin d'opposition, il y a un besoin de Jean-Pierre Bellé, il y a un besoin de répéter, il y a un besoin d'opposition. Mais c'est vrai qu'il peut perdre, il y a Joseph Kabila, il y a un besoin d'opposition. Moi, je suis Jean-Pierre Bellé, il y a un besoin solo, il y a un besoin de quota, 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 il Abi me mapona me kozala nangambo ya pepere nangambo poso boko milengela poete ya solo makambebeleza liboso na biso balwe pa nayo communicateur ya pepere ndeko Flavien na pesio merci mingi na mutuna nayo. Je crois que pona ko banda d'abord ko lobela séminaire to bana ko belela bino awa ke union sacrée azalaki na programme T, union sacrée azalaki na vision T, parce na lobaka yango ndeko nangai Flavien vision zalaka souscrite sous forme d'un programme. Un programme chronométré et chiffré. Mais le lot, au moins, il y a un séminaire pour Nakulakisa, le ministre a déjà en fonction, c'est que c'est la vision de Mokonzi Mboka. Vous allez vous rendre compte que le long de Bazali, ce que vous avez programme. Vous ne m'attaquez jamais. Donc, voilà, le long de Bazali, ce programme. Alors, deux, on a Flavien. Nakambo Oyo Etali Maponami. Vous voyez, Maponami Ezalaka, la seule voix. Oyo et pesa ba imboka mpifo yakopona réellement ba konzi mboka et oyebi na système démocratique le londe konangai
et ça que non avant mon condition goloto pakala ou soit mon azali ko prétendre à exercer ba haute fonction du pays notamment ko za mon condition mboka il faut abay aib ba imboka et le kuna ko sala wana et sur base ya ngonde ba ko sanctionner ye soit dit ba ndimie ka za ko mon condition doté mais le problème est que se pose na ba terme ni de konangai nous voulons tous que ba élection réellement et salement na 2023. Mais ndeko nangai avant tout comment na élection proprement dite il y a des préalables, il y a des conditionnalités, il faut vider en go, c'est-à-dire il y a un processus photo landé là oui que non un bah élection c'est là que d'abord écoute à très cher dans mboka na biso mais aussi il faut justement choix animateur il y a moins de l'eau bah église catholique bah ça lui menacé ou soit bah confession religieuse bah ça lui menacé pour nani parce que réellement oui bien choix wala ndeko nangai. Et ça, je suis très très important et très sensible. Parce que mon conzi, oh, il y a un kambaseni, il y a une charge, il y a un proclamé mon conzi. Il y a un moment, parmi ma propos, il y a une fois, il y a Azali na makasi ya koloba vraiment oyo Ezali. Résultat 2023 tout à fait oyo ko leka président tout à fait Azali kukumate tout à fait mais ndeko nangai Flavien sikoyo omoni toki déjà lelo ba komi koloba makama menace moi je me réfère également na ba propos ya ndeko Sony Kafuta à l'époque que est aussi tant ba ponaki ndeko Rosama Londa ba zoki ba même menace malgré que on a embrouillé les cartes pour que Ndeko Rosama Londa azala président ya l'unité ya CNIT. Ce n'est pas un problème. Mais seulement Ndeko Nangai, je souhaite voilà. Et nous voulons, je suis par là, nous voulons réellement qu'il y ait l'élection seulement en 2023. Parce que Ndeko Nangai, c'est 2023. Il faut pas de glissement. Pas de glissement. Parce que moi, je ne suis pas glissement, mais absolument dialogue. Ndeko Nangai, c'est Kabila ou Ndeko IDP, c'est le lot. Il y a plusieurs stratégies. Il faut d'abord recensement. Il faut bien aboyer. Le lot, le peuple, il y a besoin de ma ponaï. Parce que nous avons dit, par rapport. Non, le recensement, il y a une importance. C'est mon côté de la minute. Nous avons besoin de ma ponaï. Pourquoi nous avons dit, oui, ma ponaï, le lot, le peuple, il y a des gens qui parlent de ma ponaï. Parce que par rapport à la situation socio-économique, il y a des gens qui ont dit, Flavien, je ne vois pas un Congolais sérieux. Je dis bien sérieux. Oh, il y a qui a voté mon conseil Mboka Félix Tshisekedi en 2023. Parce que le bilan est au ganga. Le bilan est une catastrophe. Parce que ceux qui te le disent en termes de pourcentage, je ne vois pas mon conseil Mboka qui est au-delà de 2% dans ma élection. Oh, il y a qui en 2023. Parce qu'ils ont échoué lamentablement. Non, c'est lamentablement. Et c'est dans tous les domaines de la vie nationale. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a un secteur moko il y a un mboka où ils allaient au temps réellement. Ils allaient. Donc, au moment que nous le lot, tout ça réellement qui m'a promis seulement pour que nous pouvons tout ça en go et c'est l'accès à la limite. Et c'est ça pour que nous, bah oui, bah c'est un gars qui va m'a commandé mboka, bah il y a pour la coupe en 2023. Moi, l'amboka, Willy Kosi, Oyoki Ndeko, Ndenge Bakolo, Ndeko. Belesi olandi pe ndeko na biso kabasele mutune zaka moko maponami banimateur aseni misolo pa de glissement to kozela likanisi na yo pe en tant que scientifique ozali assistant na yo pe na ko rappeler analyste politique tale la biso pe likanisi yo pe pesa makanisi na yo ko ete ba kongomani ba kolanda po balingi ba ezwa pe ya sembo pe nzela ko bimela na crise yo. Bon, déjà merci ndengo permettre ngana zwa liloba na ko banana na makambo ya séminaire. Je crois que le séminaire et salami est important. Et ce n'est pas les premiers d'ailleurs. Bango va salam sur 1000. Donc, il salam autant Kabila. Mais il le sait. Il le sait. Il salam sur 1000. Il n'a pas la croissance. Et belé, belé. Tout le monde avait fait dans le but. Nango et Zali, moi je crois, ils ont pour renforcer l'unité dans l'action gouvernementale, qu'on renforcer la solidarité gouvernementale. C'est très important lorsqu'il y a un programme, il y a un projet de société. Bateau, bah, vous allez être animateur, ou bien bateau, bah, vous allez être réalisation, bah, vous allez être soudé. En dehors, il faut être soudé de façon que l'action na bango ils allent désarticuler. Ils allent l'action monko articuler pour même bah, résultat. Concernant Maponami, je crois que beaucoup de gens, ils spéculent, ils disent des choses selon eux. Hein? Parce qu'on a vu déjà les glissements, c'est normal. Hein? Donc c'est comme ça.
Tellement qu'il y a eu un glissement de 2 ans ici, tout le monde croit que le président Félix a l'intention de glisser. Et preuve, il y a moins tout le monde que non, les mardis, il y aura une avancée significative. Parce que bah, on a déjà un bah, animateur. Et par la suite, il y aura d'autres étapes. Mais qui... déjà, bah, sous pression, bah, on a un animateur. Non, bah, le menace, problème de la pression. La menace, chaud, a été clair. La bah, menace, c'est Zali. Mais. Est-ce que vous dites que ça me sert à mon frère tout à l'heure. La pression, donc, on n'a pas la bino politique. Mon frère. La pression, là, il va nous péter. Pourquoi pas? Mon frère, tout à l'heure. Chef de la confession religieuse va menacer. Mon frère Kabassé, l'a dit. Il a dit que ces gens-là sont connus, s'ils sont connus. Mais citez leur nom. Et comme ça, là, prochainement, il va aussi la source pour Maramouanate. Peut-être qu'il va pour Nabatou Moussous. Autant que comme la Maramouanate, c'est le Goulouké, mais Maramouanate, il va quoi. Ils sont tout puissants. Bah là, tout puissant, hein. Ce sont des humains comme nous. La loi va s'occuper d'eux. Et d'ailleurs, ça serait une manière de mettre celui qui est derrière ces gens-là, leur chef-là, à l'épreuve. Pour tout, bah, réellement, qu'ils ont subi la pression. Mais. Moi, je crois que c'est un prétexte. Hein. C'est juste un prétexte pour alors, dire que... Alors, je ne sais pas mais bon, on a dit que c'est un gouvernement du gouvernement Samalokonde, il y a un pilier, il y a un pilier, depuis le bandit, est-ce que c'est ça, yango après renforcement, il y a Makanissier, il y a séminaire, et il y a des gens qui sont capables de faire Samalokonde, il y a mobilisé par moyen. Pour être bah, élection en 2023, Joseph Kabila, Nanzela, Matata Tamponyo, bah, organisé qui élection pour Monsieur Lozaki à Congo, Monsieur Lutaki Libandate. Félix Tshisekedi à Kolonga, Pende Tumba. À Kolonga, parce que nous avons des moyens au Congo. Il suffit de le vouloir, au salaire. Mais j'aimerais aussi relever un peu Maramoussou Souya Lobby, qui est au Sahel-Oroté. Je lui avais expliqué la fois passée. Naibite Soro Kendai Kotala, la Banque mondiale a précisé que. Les projets de l'autre là, comment, de la gratuité, actuellement c'est le plus grand projet. En Afrique, nous retenons 17%. 17% de l'affectation budgétaire en matière de l'éducation. Et les pionniers, c'est le Ghana. Actuellement, en Occident, c'est 12% l'affectation budgétaire en matière de gratuité. Nous, on est arrivé jusqu'à 49%. Vous croyez que un monsieur que vous imaginez, je ne sais pas ce qu'il y a, il y a quoi affecter 49%. Mais c'est là où même la Banque mondiale est venue. Bozomon a payé 1 milliard chaque année. C'est par rapport à ça. Il savait qu'avec le propre moyen du budget national, ça ne pouvait pas marcher. Donc, il ne faudrait pas que Félix ne fait rien. Tout alors, ça. Alors, nous avons dit que nous avons analyse politique. Nous avons dit que par rapport à Mamoto Kolobawa, position nous avons Na Italie, Seni, Maponami, Misolo, Ponama Maponami, et puis glissement et Zalate, on a dit que nous avons commencé à volontairement contre Maponami dans 2023, même les loyaux ont été en Gangazan, mais ils ont été menacés. Tokosuka Wapi. Ndeko Flavien, merci. Merci pour la parole au Pessingaï. Merci Nabandeko, au Bautiko Pessaba, Makanissi Nabango, autour de ces questions. Yayambo, je voudrais fixer l'opinion sur les séminaires. PPRD, FCC, Akokaki Kosala, 1000 séminaires. Mais la qualité à séminaire, Oyo, président de la République, à Salina, ba membre du gouvernement, est exceptionnel. Vous savez, mon frère, à Onyan Sotoua, cadre universitaire, il ne suffit pas d'être un cadre pour bien gérer le pays. À un moment donné, les chefs peuvent vous regrouper et il fait appel à ceux qui ont été ministres plusieurs années avant vous pour venir partager l'expérience avec vous. Lorsque vous voyez de grands professeurs comme Baïvariste Mabi Moulumba, Baye, qu'on partage ma canne ici. Naba ministre Yamboka. Et au sorti de ce séminaire, il y a Guy Loando Mboyo qui est un ministre de ce gouvernement qui vous dit, j'ai eu l'occasion de redresser
mon agenda. Ça vaut son pesant d'or. Ce séminaire-là, ce n'était pas une occasion pour les chefs de l'État de demander à tous les ministres de quitter leur parti politique et de rejoindre les siens, l'UDPS. C'est un séminaire juste pour nous rappeler Batou. Parce que je l'ai dit tantôt ici, que les engagements que le chef de l'État a pris avec soi-même devant la nation, il faut être suivi par ses collaborateurs. Contrairement à Ndeko Bélessi, qui ne comprend et qui ne comprendra jamais, parce qu'il y a Ligny Yangote, la vision du président de la République, c'est de faire de la République démocratique du Congo un État véritablement de droit. Restaurer l'autorité de l'État. Même ceux qui ont réussi Bélessi, Banda Tongo, Tipo, quoi. Ako Kanga Yangote, et puis jamais, Ako Yodo Bakeno, Félix Tshisekedi dans la vision, oye, il est qui même, il y a tchèng tchatché. Ça, c'est de un. Je parle glissement. Lobby tozalaki na mwana mboka Joseph Kabila. Kabila zalaki koloba qu'il va respecter la constitution. Personne ne l'a cru. Je vois encore Lambert Mende, ministre de l'information. Est-ce le président de la République qui va quitter le pouvoir? Sa réponse était la seule. Le président de la République va respecter la constitution. Le jour où Kabila dit qui ne va plus se représenter, c'est ce jour-là que les Congolais ont cru. Félix Antoine Tshisekedi dit, en 2023, il y aura élection. Nanya lobby qui existe, mais on a vu les rapprochements entre Sissang et Fayulu. Sissang a fait partie des 13 personnalités, mais tout le monde a dit qu'il y a Fayulu, a commis qu'il a déjà tourné. Pour la Koulouka Kimia. Déjà, aux hommes, on a été des bandes de Bosso, qu'on a appelé Makambozali, c'est ça, Gazali, Ndeko Flavien, je ne suis pas de l'IDPS. Mais parce que tu soulèves la question de Sesanga, laissez-moi vous dire que Sesanga est de Luisa. Un territoire situé à 200 km. Lingala. Non. Territoire, mon cousin, situé à 200 km, il y a ville et à Kananga. J'ai dit à Sesanga, devant le peuple congolais, Atinda Moutaya au contredire Ngaï, Bandaka Belekese, Mwenyambulu, Samwanda, Bushimai, Mbouze, ce sont les entités de chez lui, je les cite par cœur. Na territoire à lui Zamobimba, ceux qui ont okay, cueilli contre Tshisekedi Wamulumba, au Kokuya. C'est comme ça que ces sangas n'étaient pas du cash. Naïe, na Claudel Lubaya, étaient obligés, changer l'obédience. Une fois descendu sur terrain, de parler au nom de Tshisekedi. Parce que si on contredit Tshisekedi, au Kosibir, ka yende konangai, au Yakendeki, et pas na Bango, pour battre sa campagne, il a la légitimité, il est aimé, il est respecté, mais parce qu'il a dit que. Lui, il est avec Chadari. Azan a parlementé. Je ferme la parenthèse. Ndeko, Église catholique. L'Église catholique fait de trop. L'Église catholique commence à exagérer. Oh. Avant cette menace-là, Namatanga ya Kondo Laurent Monsengo. Comment un archevêque, un évêque, un cardinal de son état peut se permettre devant les chefs de l'État, Kolobakeno, voilà pour rendre hommage à Laurent Monsengo. Les gouvernants doivent cesser de vivre dans l'opulence et dans l'impunité. Mais il n'y a pas de On parle au public, on parle en public. Il y a des choses où Moutesengel y a Yokasuni Koloba. Ce sont des choses irréfléchies. Tu n'y connais pas. Tu n'as pas. Non. Flavien, ne m'embrouille pas. Il n'y a pas deux pays, trois, quatre, cinq au monde
où les gouvernants vivent dans la souffrance. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas 2, 4, 3, 5 pays au monde. Il n'y en a pas un seul. Où les gouvernants vivent dans la souffrance et les petits peuples dans l'opulence. Exactement. Même à l'église catholique. Même à l'église catholique. En Bongo. Qui n'a pour profession que de rationner les petits peuples. Oh. Vit dans l'opulence. Lui et sa propre famille. Mais il a le courage. Il ne vit pas dans la souffrance. Il a le courage de le dire devant les chefs de l'État. Ce sont des choses. Oui, mais Ado rappelle mon cousin. Écoutez, papa, ce sont des choses. Bon, qu'on vivre. Ce sont des choses irréfléchies. Pour placer au Nyoko. Ce sont des choses. Non, j'ai fini. T'es 4 minutes. C'est parce que vous êtes. Pourquoi vous vous agitez? Vous ne supportez pas la vérité. L'église catholique, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Maître Kamasele. Lorsque vous prenez le courage à Béchol et vous dites. Écoutez, nous sommes sous la menace, nous sommes sous les intimidations par des personnes bien connues. Il ne reste que pas pour les citer. Mais si vous ne savez pas le dire en public. Merci. Non, j'ai fini par là parce que vous avez parlé des élections. Narozonga. Non, je parle d'élections. Non, je parle d'élections. Juste un mot. Un mot, voilà. Un mot à l'intention. Ndeko Belesi. Vous savez. Nous devons prendre des positions responsables. Quand nous parlons des élections et des préalables des élections, il faut aussi lire les textes existants. Naningala. Ndeko Flavien. Nalingi tozwa rendez-vous ngala Ndeko Belesi. Je suis prêt. Ngayinaya naba loi électorale nyo sezoma na mboko yo. Je suis prêt. Vous verrez que parmi les arriérés, il y a loi électorale. Figure aussi la question des recensements. Parce qu'ils lisent la loi, mais ils ne disent pas, ils lisent pas les exposés de motifs. Merci. C'est ça le grand problème. Voilà. Donc, ici, pour Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, oui. qui est une fierté pour la République, hein, et c'est aussi une fierté, il y a pour défendre, il y a élection en 2020. Voilà, Gauthier Sey, Olandi, vous allez journaliste d'investigation. C'est vrai que il y a pas si koloba na sima ndenge lutoti koloba, mais d'abord il faudrait dire ici que par exemple Bela Pessi Kabila avait dit il y aurait élection, mais est-ce que avec glissement ça exemple moko ezo koyata mukete? Pourquoi pour cette histoire de glissement bendi ces ali qui nous disent, combien on a déjà mis de côté pour les élections. On est à un an. Les un an qui reste, c'est l'année électorale. On savait avec Matata Ponyo, on suivait que Bazocham, autant, combien vous avez déjà mis de côté pour que vous me disiez qu'en 2023, il y aura élection. Arrêtons de mentir les peuples. Bendis sérieux et Zali Awe pour l'accepter élection et pour Zalate en 2023. Pour Ndenge Bazana, na Covid Ndenge Betakbiso, na économie Ndenge Ekoui Bambani, mobilisation à recette, et ça faible. Bobanda qui était depuis Bozoaki Manda, Koubombakanda Mundambou Mupanzi. Et maintenant, tu commis quelques mois kaka, parce que l'année qui reste là, c'est l'année électorale. Tu comptes en côté. Et combien vous allez, pendant ces temps que vous allez mobiliser tout cet argent? Ça, c'est une question. La deuxième chose, ils disent qu'ils attendent que la confession religieuse va voter tout par consensus. Ah ok, aujourd'hui ils sont en train d'attendre. Hier la majorité pour Naki Ndeko Malonda. Et aujourd'hui, s'ils choisissent quelqu'un d'autre, cette fois-ci, parce que hier ils ont tué, mais il y a des gens qui sont morts pour ça. Ils ont saccagé les véhicules des gens. Na peda retroviseur et mutukananga moko. L'icole pas est Malonda. Et aujourd'hui il y aura encore vote parce que hier Malonda ils avaient plus consensus. Na lundi on a bouqué mettre le lobby par consensus ou par vote. Hier c'était par vote. Il n'y avait que deux confessions babouyaki, six ont voté. Mais bango babouyaki en babouyaki corruption président babouyaki kwante kokozwa ordonnance. Pendant que le Parlement intérimaire qui déjà, il n'y a pas de soubassement. Donc cette fois-ci, soyons quand même responsables que la confession religieuse, qu'on peut s'abîmer nos candidats,
bokende tina suka bon nommé bon pesa ba intérimé pe na parlement sans casser sans marcher tina likanisi na na moni au principal au fond le moi parenthèse bon konde konanga tika osunga pe ba imboka ba holanda yo olobi été cette fois-ci ba ba ko kamamboka tango wa confession que les autres va bimisa moto wana mokonza mboka esengeli enteriné alo basute ke na osu basina ya osu basima oto mona ba combattant na balabala cette fois-ci to boy combattant parce que tout cette fois-ci to boy yo IDPS na balabala o ba beta ba député exactement o ba beta ba o ma religieux ba ko bimisa bon di maye bien que sous menace ah ba il ne faut pas aller kokot saka mboka de crise en crise donc parce que hier ils ont fustigé vote yandeko malonda ba lobi ki ya une menace ya une corruption parce que ça venait du côté ya église des réveils aujourd'hui l'église catholique en bongo, un monsieur très sérieux. Et moto... Non, sont sérieux. Ah, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il ne faut pas entrer dans les jeux politiques. Non, excusez. Je vais rentrer dans mon temps. Je vais rentrer dans mon temps d'antenne. Vous allez malobater. Vous allez malobater. Donc, malobater n'est pas un dégoûté. Est-ce que vous pouvez respecter les téléspectateurs qui nous suivent? Malobater n'est pas un dégoûté. Merci. Mais quand on a un malobater, on a rappelé ma conzie. Vous voyez l'intolérance y a bato union sacrée. Hier et l'Obama na SCC awa. Babetara maboko. Il y a un pasteur y a SCC l'Obama kango ekofo. Babetara maboko. Mais c'est quoi le rôle d'un pasteur? C'est quoi le rôle d'un pasteur? C'est de dire la vérité. Et la vérité, c'est ça la Bible, c'est ça l'évangile. Non, c'est mais ça, la vérité. Oui, mais quand ils disent. Mais la vérité, c'est ce que je viens de dire. Non, aussi. C'est pas ce que je viens de dire. Et après, c'est exactement ce que quel est le gouvernement du pays, du monde, citez-moi deux, trois, au Bavivakano. Là, c'est bon, que peuple n'a pas. Des choses comme ça. Mais écoutez, les choses sont équilibrées ailleurs. Ici, il n'y a pas de classe moyenne. Ici, on souffre. Je ne sais pas toi comment tu vis. Je ne sais pas comment toi tu vis. Aujourd'hui, vous venez à peine d'accéder. Vous êtes quoi accéder à pouvoir à Kassiko. Vous êtes à la villa, vous êtes à Kingabwa. Deux ans seulement aux affaires. Vous pouvez construire une maison comme ça et vous trouvez un normal. Vous venez à peine d'accéder aux affaires. Vous êtes à toutes les vidéos qui circulent. Budget privé. Budget privé au Bino Bozoa. Déjà, comment il y a un budget privé? Oui. Vous êtes à la loi là, c'est ce qui s'est passé avec la madame Fifi. Elle fustige quoi? Et vous trouvez ça normal? Cambon, on ne le dise pas. Enrichissement Binobo Kominango. Binobo toi union sacrée. Enrichissement Bokominango. Vous trouvez ça normal? C'est la continuité du régime de Kabila. Il n'y a pas de rupture. Et je constate même que vous allez plus que même les kabilistes. Et vous, écoutez-vous, vous avez écouté na plateau, kabiliste Golobé était recensement, c'est pas important. Recensement, c'est pas important. Vous trouvez ça normal? Un acteur politique. Alors, le recensement n'est pas condition. Recensement, ils ont conditionné l'élection. On doit être d'accord. Recensement, ils ont conditionné l'élection. Mais recensement, c'est important. Vous vendez la tienne, nous devons connaître. Et ils ont dit qu'on va connaître aux élections, il faut recensement ça les mains. C'est pourquoi je vous ai dit, la minute, c'est pas conditionné. Non, tout est fait, ça dit ça. Merci, Bélessi. Kossi, Willy, merci. La protéger au contraire. Tant d'antenne, Nanganyo. Tu es aussi 3 minutes. Un acteur politique qui a perdu, Arzouf Sabiso, a recensement important. Elle est importante. Nous devons savoir, on ne peut pas continuer à avoir des cartes d'électeurs sans carte d'identité. Tu l'as dit. Je vais vous répondre. C'est important, mais ce n'est pas conditionné à l'élection. Donc, de l'autre côté, on a recensement, mais bah, respecter le délai à l'élection. Ça, on doit être d'accord. Je vais maintenant venir ici. Koulba était ici, nous devons respecter ceux qui nous suivent et puis respecter l'Église catholique. C'est la plus grande force. Là où l'État n'est pas, l'Église catholique est Zalaka. Il y a des endroits où le service à l'été, il y a l'été, mais l'Église catholique continue à cause de sécuriser, donc, quand il y a des menaces, n'est-ce pas? Quand Chole dit qu'il y a des menaces, un homme sérieux n'a rien à Chole. Vous pensez qu'il peut sortir sur la place publique, raconter de n'importe quoi? Hier, yeah! Église d'Hervé Balbakiamo, parce que Zaraki n'a pas de menaces, oui, il y avait des menaces, mais imposées par Malonda. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui sort. Pourquoi? Parce que Bois d'Anna Barrière pensait. Non, restons sérieux. L'Église a aussi ses rôles à déclarer l'opinion, de dire la vérité. Fatih, c'est un chrétien, il prie quelque part. Où il prie, il faudrait qu'on lui dise que le peuple est en train de souffrir. Et qu'il ne faudra pas que l'institution soit en train de vivre. Bon, Kabound l'a dit. Il faut tout réduire en train de vivre l'institution parce que le peuple souffre. Et aujourd'hui, sur le plateau de télé, vous dites que le peuple, voilà, voilà. Non, on souffre. Mais pour ce qui a les séminaires. Ouais. Alobi, le séminaire est exceptionnel. Le séminaire, oui, il a raison, c'est exceptionnel. C'est le seul séminaire technique où on vient tenir un discours politique. Vous avez suivi les chefs de l'État dire au ministre que « Ah, wabola, n'a pas mot d'ordre à la politique. » Il a dit ça dans le séminaire.
Ici, il ne faut pas suivre les mots d'ordre de vos autorités morales. Donc, qu'est-ce qu'il y a de technicité dans l'autorité morale? Sous Kabila, on a connu des séminaires 1000, oui, mais c'était de la technicité avec Matata. Ici, les ministres ne savent pas ni qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ma tribution n'a pas été. Et bien là, bien, au fait, séminaire, maintenant, on peut saluer une indiscrétion. Ils ont politique, ils ont séminaire à technique. Pourquoi ils ont politique? Actuellement, il y a des menaces au sein du ministère, il y a le gouvernement, ça malconde. Ceux qui sont de cash, plutôt il y a ensemble. Balobiboui. Il y a deux ministres, je peux même les citer. Un l'a dit à moi-même personnellement. Alobi, on est prêt à démissionner le jour où il est chef de l'État. On est prêt à quitter ce gouvernement jusqu'à Kabaroutia, loi Tianyana à l'ordre du jour dans le Parlement. Nous sommes comme nous conseillons. Dans ma campagne, ma mandataire, nomination, ma mandataire, il y avait déjà 17 nominations. Au bah vendissinacé, sans consulter banani, bah partenaire, bah sociétaire, réunion sacrée. Il y a une semaine, réunion me semble côté Meliba Ao, Kabound et quelques partenaires, je ne cite pas les noms. Et un bureau privé à Kabound. C'était pour dire ça à Kabound que tu nous as promis à la sortie au gouvernement, était deux semaines qui allaient suivre, bah qu'on nommait bah mandataire et que le mandataire qu'on va nommer, on va respecter, n'est-ce pas? Parce que c'était l'Union Sobatikale, on ne peut pas tous faire partie du gouvernement. Mais comment vous pouvez nommer Batou sans tenir compte de Nabiso Touré qui déjà a 17 nominations. Voilà les donc, problèmes. Le compte de Kopanzana, voilà. Union Sacrée Kopanzana. Voilà. Et déjà, tu as noté déjà. Donc, message du père, il y a Vital Kamerhe. En fait, il y a UNC Vital Kamerhe. Il y a deux problèmes. Pour avoir suspendu la participation à la. Il y a deux sérieux problèmes. Nomination à un mandataire, dans la loi Tiani Oki. Qui fait couler beaucoup d'encre. Pour tes paroles, ce le séminaire là, les chefs voulaient pour faire comprendre le ministre. À conscientiser. Quand on va nommer au ministre, aux assos au ministre à partir, au commis pour Nambo, comment servir au ministre d'État. Donc, Bobima, na haut la politique, la politique ça la mais Binoboya. Donc, il n'y a rien de technique, c'était purement politique. Maintenant, Kabasel, il nous dit que on a la cible parce que vous êtes en gros. Une minute. Tu vois que les scores chaud chaud. Tu vois que Bangbang on est dans le baratobe, tu es à chaud chaud. Okay, alors, Kabasel, on l'a dit déjà, mais est-ce que quand tu es athée, le gouvernement de Malukonde, 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 ce que Bimil Soussoupéna va mettre sa discussion dans le Parlement, porte-parole, il y a ensemble, moi, dans Francis Kalombo, qui je cite, a été très clair. Pendant que le bail était, dans la union sacrée, vous avez l'engagement de mon côté, vous allez discuter en interne, mais vous avez tout le temps dans le ce qui est le cas, c'est que Bango va se retirer, c'est clair. Vous avez évité le cas, mais dans l'union sacrée, Bango, plutôt, dans l'UNC, c'est clair, Billy Kamal, c'est clair, en tant que secrétaire général, pour le côté, c'est aussi suspension de ma participation dans la Katiouana. Est-ce qu'avenir, les alliés, pour tout le 2021, avenir les alliés de quoi? Avenir les amakasi, tous les sociétaires et l'union sacrée, du moins pour n'aba Oana, Bazana, Vijan, Mokondjamboka, ils évoluent normalement. Ben, les autres là qui pensent faire primer ben, intérêt personnel Nabango, qui ont des égos, qui soutiennent un candidat ou un autre, ben, ça c'est leur histoire. S'ils touchent la vision pour le pays, poursuivre les personnes, les hommes, qu'ils soient congolais ou pas, ça, ça ne nous intéresse pas. Bisso, oh, ils allaient quoi intéresser, Bisso, ils allaient quoi évoluer dans la vision de mon cousin. Mais j'ai besoin de dire à mon frère ici du PPRD et monsieur. Le deux. Journaliste. Est-ce qu'il peut retirer ça? Est-ce que vous sentez en lui un journaliste? Gauthier, c'est un journaliste d'investigation. Est-ce que vous sentez en lui un journaliste? Un collègue d'un journaliste d'investigation. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Nego Kabasel, à la PPRD. Bon, on va laisser préciser. S'il vous plaît, Kabasel n'est pas obligé. Bon, le journaliste, bon, je lui fais plaisir. Je lui fais plaisir. Attaquer qui n'a pas PPRD dans le UDPS. S'il vous plaît, Gauthier. Gauthier, c'est déjà fait. Voilà, Nego Kabasel. Les journalistes ne pas informés. S'il te plaît, s'il te plaît. Les journalistes ne pas informés. Et là, je m'étonne qu'un journaliste ne soit pas informé. Il vous dit combien battait pour l'élection. Est-ce qu'il a consulté la loi de finances? Il y a 2019, il y a 2020, 2021, 2022. Est-ce qu'il a consulté? C'est combien? Est-ce qu'il, je parle de 2002. Je parle de la loi de finances. Est-ce qu'il l'a consulté? C'est combien? Mais quelqu'un qui n'a rien lu, mais Azoya quand même sur le plateau pour faire des spectacles, on a mis combien?
Azo cité le Matata comme si Matata était un exemple. Matata nous a dit 250 millions chaque année. Après vous, vous avez vu l'argent. Bino Bobo Nambo. Mais dis-nous c'est quoi? On a reporté deux ans les élections. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et Mongo Matata Banor le bateau tient à l'élection. A tiaké en moi. Ça c'est un journaliste qui vous dit. Bino mais Botia Monsoloté. C'est là papa. Mais le bateau Azo Bombo. C'est là. Mais oui. De quoi le bateau? Cabassé à clair. On est au sein de Maquille. On est au sein de Mambo. Botiaté. Mais Bango peut perdre. Bango mi balé peut perdre. Makamba Malonda Zolo Bilawana. Ils ont fait passer Malonda en force. Les lots ont quand même calendrier dans l'Assemblée nationale. Bazo et Bissot que telle date pour recevoir ma confession religieuse. Telle date pour recevoir ma parti politique. Telle date pour ça. Tout Bissot sont aussi dans le webinar. Jour ni ni oyo, débat et ça. Est-ce qu'il peut te dire, à l'époque où il y a Bango, Balekisi Malonda, ce qui peut en être inscrit à l'ordre du jour? Jour Mabunda Bimisango, Manu Militari au sein de l'Assemblée nationale, va voter le même jour, Bazo Basala rapport Batinda. Babando Salam Pony. C'est ça, il y a Malonga à cœur. Bon, Malonda Toponie, Azamu Tubaponi, pourquoi ils ne suivent pas une procédure normale? Chef de l'État, Zouaka ordonnance à Malonda, et puis il y a posé la ordonnance Moussousou, Abana Robagis. C'était ça. C'était une aventure, tout le monde connaît. Histoire Nabangona Malonda, c'est connu. Mais donc il ne vient pas de transparence. Les lots quand même, yo, en tant que Mopandi Sango, et que bah église, bah on s'en a tel jour, bah on prend telle date, l'Assemblée nationale, à cause telle date, tout le monde, tous les Congolais observent et voient. Donc c'est différent. J'ai beaucoup de respect pour le prince de l'église. Mais il a raison de dire qu'il y a des gens qui vivent dans l'opulence. Je vais te dire. Au chômage, la place Mokonzamboka à Vandara. Tu as déjà vu la maison à Mokonzamboka. Place à Vandara, moi si, na bananae, na oya, tu as déjà vu. C'est une maisonnette. Le chef de l'État ne vit pas dans l'opulence. A Botola parler à marbre, qui est pas ça en gros palais présidentiel. À Zwanda quoi batouté, à Sala Kinga Katite. Il est là à l'OIA avec deux militaires. À Vandi dans une pièce de, je crois, 10 mètres carrés. Avec le sien. Il reçoit ses autres là-bas. Il n'est pas dans l'opulence. Et nous, nous luttons pour ça. Il ne faut pas que les dirigeants vivent dans l'opulence. Mais si comme je te donne un exemple, parce qu'il veut parler peut-être du président Kaboul. Il est premier vice-président. Non, à Kingabwa, tu parles. Il est premier vice-président à l'Assemblée nationale. Il a le droit de prendre un crédit à la banque, même de 500 000 dollars, de construire une maison. Vous n'allez pas lui interdire. Il a droit. Si quelqu'un, moi aujourd'hui, je suis mandataire, j'ai un salaire fixe et je sais prendre un prêt pour construire même une maison de 4 niveaux, c'est mon argent, c'est ma vie. C'est bon. Voyez-vous? Et donc, ne croisez pas les bisous, que. Bilan ambitieux est négatif. Voilà. Il dit Félix n'aura même pas 2%. 2%. Je m'en moque. Okay. Pourquoi? Parce que lui. Yalingala. Yoga. Bissot te battre Ramazani Oyabango. Quand ils étaient tout puissants, le peuple perdu. Félix a bâti Ramazani. Il a bâti Chadari. Et il a bâti aussi Fayoulou. Que l'ami venait de citer tout à l'heure avec ses sangha et tout. Félix était seul contre tous. Il a battu ces gens. Aujourd'hui, dans le bilan, non. Il y a aujourd'hui des enfants qui étudient gratuitement. C'est un bilan. Merci beaucoup. S'il te plaît, la justice aujourd'hui, il n'y a plus d'intouchables dans ce pays. Les recettes de l'État sont en train de rentrer dans les caisses de l'État. La DGI bilan, a fait, s'il te plaît, la DGI a fait, pour le seul mois d'avril, la DGI a fait, ça fait 600 millions de dollars. Ça fait pas de s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, c'est très important. Et donc, le produit surgelé, merci. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Oh. D'ici là, Ekita. D'ici là, Tokolé à Soso, d'ici là, Soso n'a 10 dollars. Ok, 14 et Soso. Tout ça, pour te dire que, monsieur, tu ne peux pas parler du bilan. Vous avez bloqué ce pays pendant 18 ans. Merci. Alors, vous avez tué les Congolais. Voilà. Vous avez volé l'argent de l'État. Vous avez détourné le fonds public. Zéla, zéla, vous avez bloqué le président pendant 2 ans. Mais ça fait 20 ans.
voyez-vous, s'il vous plaît. Donc vous ne pouvez pas, surtout pas vous, Kabasele. Vous du peuple perdez par le plein de vos Kabasele. De vos Kabasele. Aux autres mal battés. N'ayant qu'une tour à monter dans la moko. Mais tout dans la gaga. On dit qu'on répondre dans des cobelles si des Kamabilan. Dans le but de ressortir le débat, il y a bien un Mambabilan. Les autres en ordre du jour. Mais les canici allaient chez combat en 30 secondes sur le pays Sabiso. Les canici allaient chez combat. Oh y a aussi un qui va auditer Kabila. Parc à Kingakati, mission n'a pas long, pas laver, n'a pas soupçonné au sol. Mais l'homme ici m'a fait, tu sais qu'il dit. On s'appelle le Kouana. Voilà. 30 secondes. Tu sais qu'il dit lui-même avait demandé que Baudité Gestionnaï. C'est le seul président qui avait demandé. IGF Fazan, la présidente. IGF Fazan, la présidente. Non, il m'a demandé que président. S'il te plaît, mon frère. Bissot, tu oses répondre. Tu oses poser Bissot ma question pour te répondre. IGF n'a rien à l'obanoboué. IGF est en train d'auditer la présidente. Ce qui n'est que Joseph Kabila. Agira Kimboka, non? Tout le monde a dit la Kingakati Kuna, Lyon, Bazali, Hippopotam, Bilokwalanyon, Sola, Nini, Tyrolienne, Nengezo Tambola, tout ça. Ben, ceux qui ne dégauchent comme en tant que Congolais estiment que, bon, il faut bailler Bamisolo, ou Takiwap. Je pense que 18 ans, je pense que 18 ans au pouvoir, 18 ans au pouvoir, 18 ans au pouvoir, 18 ans au pouvoir, je crois que Joseph Kabila a eu l'argent. Il peut se faire des villas, c'est pas un problème. Mais si on doit auditer, s'il se reproche de rien, s'il n'y a rien, pourquoi on doit craindre? Vous devez équilibrer, monsieur. Vous sentez qu'ils sont en nombre de trois et que autre chose ne sera ébélé. Monsieur, Ndekonangaï, oui, on peut s'en ébélé et pas aux trois. Ndekoflavien, je voudrais ici faire un nettoyage technique. Malou, pas là. Ndekonangaï, n'a eu d'abord du point de vue Makamba séminaire AO. Parce que Malobi, vous avez organisé plusieurs séminaires. Oui, il y a une grande nuance entre le séminaire et le séminaire. Le séminaire, c'est un but bien précis. C'est-à-dire, le renforcement des capacités. Il y a un ministre. Mais on y a bien nous, pour inculquer le ministre vision de Konziamboka. Et pourtant, le programme doit venir d'abord en amont et non en aval. Bango va écouter le programme dans la minute. Où est là où ils sont? Tant que vous avez un programme gratuit, peut-être que vous n'êtes pas informé, mon cher ami. Hein? La gratuité est l'un des points inscrits dans le programme de Zolaki entre les FCC et les CASH. Retenez ça. Depuis 12 ans, vous l'avez appliqué. Oui. Depuis 2006. Oui, permettez-moi. La gratuité a bel et bien existé pendant le règne de Joseph Kabila. Mais nous allions avec ça d'une manière graduée. Permettez-moi, monsieur. Gratuité a bel et bien existé dans notre pays. Mais nous partions avec ça d'une manière graduelle. Tout le monde a la gratuité, c'est-à-dire de première année à troisième année. École des qui gratuite. Là, vous avez vu dans ça. Toutes les écoles publiques de l'État. Si vous voyez bien monter, allez-vous avec fait. La taxe qui m'boute à la s'il vous plaît. Mais oui, mais le bas, vous contredire rien. C'est un mensonge. Bon noté, bon noté. Bon noté. Union sacrée. S'il vous plaît, Union sacrée, tolérance. Il était calme. Voilà, il était calme. C'est ça le comportement. C'est ça le comportement. Union sacrée, noté. Je protège. C'est toujours comme ça. Je protège. Vous glissez deux ans. S'il vous plaît. Notez. S'il vous plaît, pour un respect à l'opinion, voilà, d'émission. Bon noté. Toi qui as souk émission, mon temps de faire noté. Toi aussi, c'est émission. Je suis à l'obité. Mais laissez le bas pour moi. Dès qu'on a gagné Flavien. Tant qu'on a eu qui, Bande Oiseau, ça me fait mal. Sauf qu'il est là. D'abord communiquer on a basé sur le bawana. Ils allaient communiquer oh ils besoin ma qui n'a qu'à ta confession religieuse. Mais seulement c'est une décoction le mutata na qui yango. Pourquoi bambaro s'attaque à l'église catholique? Pourquoi? Parce que justement basé na canne un déco cardinal. Ambon et pourtant déco n'engage Flavien. Mais les propos tenus par cardinal. Ce sont des propos qui retracent réellement la vie à Moka. N'a pas sur un cas concret et précis. Parce que non, le président ne vit pas de l'opulence. Le président lui-même ne connaît pas son salaire. Si on a un salaire, il pouvait nous ne fiche que son salaire, que non, je touche autant. Mais aussi, Ndekonangaï, vois d'abord l'institution présidente de la République qui se distingue dans les dépassements budgétaires. À plus de 1000%. IGF, Azakouna, Azakouya, Ndekonangaï, Azakouya, 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 Azakouya,
à plus de 1000%. Qu'est-ce que vous racontez par là? Cela veut dire quoi? Je suis personnel au niveau de la présidence. Parce qu'ils allaient multiplier par 3. Non seulement multiplier, mais on a aussi multiplié les salaires des... Permettez-moi, monsieur, s'il vous plaît, et soyez discipliné. Monsieur, on a aussi multiplié, Ndeko Flavien, les salaires du personnel à la présidence. C'est-à-dire, ce qui Ndeko Kabila, parce que je connais... On a triplé ça. On a triplé par 3 les salaires. C'est-à-dire, un conseil qui touchait, par exemple, 7 000 $, aujourd'hui, il est dans les 21 000 $. Vous vous rendez compte, mon cher ami Flavien? C'est ça, ils sont là pour le peuple. Ambongo a raison. Ambongo a totalement. Et j'applaudis Ambongo parce que là, il a dit la vérité. L'ennemi d'hier. Permettez-moi. Votre allié d'hier. Vous voyez, votre allié d'hier. Parce que Azali, quand on a vérité, bon, on y est plus le long, c'est trans. Mais on l'a chuté. On n'était pas Kabila. Oui, je viens par là. C'est ça, l'UDPS. Monsieur Donald, ayez la modestie dans la parole. Parce que ni t'étais Kabila aujourd'hui, vous avez besoin de pouvoir taire. Ah bon? Soyez reconnaissant vers ce monsieur-là. C'est Kabila. Oui, je vous dis. Et tu sais pourquoi je l'ai dit? Tu sais pourquoi je l'ai dit? Vous êtes conscient. Mais c'est irrationnel. Vous avez été ingrat. On ne sait pas par quelle magie que cela est arrivé. Vous avez été ingrat envers Kabila. Vous avez été ingrat envers Kamere. Aujourd'hui, vous êtes ingrat envers Moïse Katumbi. Et si les autres sont là? Et pourtant, si ce n'était pas les autres là, les autres ont besoin de majorité. Mon cher ami, il y a gouvernement, il y a majorité. Lorsque vous faites des réformes aussi qui touchent au fonctionnement de la République, vous devez associer les autres. Merci. Vous devez associer les autres. Merci. Mais bon, c'est la bonne manière. Audit chez Kabila. Il cherche à Zoulouka des buzz. Parce que Nekonangaï, Kabila a géré ses pays en bonne et due forme. Mais seulement. Pour nous venir nous distraire. C'est un laboratoire, il y a deux PS. Vous voyez, ce sont les laboratoires. On va distraire pour rien le peuple. Et pourtant, les vraies questions qui touchent la population, et Zawana. Merci beaucoup. Mais t'as juste ça. Oui, parce que j'aurais bien voulu, mon cher ami, que IGF et ça, mon salaire d'une manière professionnelle. Pourquoi je l'ai dit? Oui, mais IGF, c'est un service public d'État à caractère technique. Parce que c'est là qu'il y est d'abord dans le ministère des Finances. Mais ce qu'il est, l'IGF, a commis que cela va déclaration encore politique. Bah, commentaire politique. Et il est dans les qualificatifs, mon cher ami. Vous voyez tous ces sénateurs sont des voleurs. Il n'a ni compétence, ni qualité. Je vais Kabila a géré. Si vous me dites que Kabila a géré ce pays, aussi madame Akas a été suivie dans le tournoi. S'il vous plaît, finalement, monsieur Sili. Je vous accorde 2 minutes respectées. Comme ça, tout clôture. La 5 vraiment, la régime a accordé 6 minutes pour la 2 minutes. Déjà, Kabila, le fait de dire que Kabila a bien géré ce pays, il se trompe. Parce que Kabila a laissé ce pays dans un état. D'ailleurs, la fois passée, je lui avais dit, laisser 1,5 milliard en banque. Que vous avez consommé. Après avoir. Oh là là, mais finalement. Je vous aide. Vous avez fait ça aussi. Mobutu, dans son paroxysme de la production du cuivre, il s'est arrêté à 120 000 tonnes de cuivre et puis 40 000 tonnes de l'autre là de cobalt. Vous, Bino Bokeitin, à 1,5 million tonnes. Il y a cuivre et puis près de 200 000 tonnes, avec un prix aussi élevé. C'est triste ça. Qu'est-ce que vous avez laissé? Vous avez hypothéqué les pays là pour élargir l'avenir. Où il existera déjà? Vous nous dites que Kabila a travaillé bien. Vous il n'a pas bien travaillé. Vous avez fait quoi? Évidemment. Vous avez fait quoi? Évidemment. Nous, on est toujours humbles. Je reconnais, le président Kabound avait dit que non, aujourd'hui, il y a un problème parce que 60% du budget et utilisé par les institutions. Donc, il n'y a pas assez d'investissement. Ça, on les reconnaît. Et même l'OGDEP, actuellement, on appelle les ODEP,
Le président, je ne sais pas s'il y a un président là-bas, il est passé à la télé la semaine passée, il a fistugé ça. Ça, ce sont des organes techniques, nous ne pouvons pas... Oh, mais comment? Il a parlé cette... Non, on n'a plus le temps. Il a fistugé ça et nous les déplorons. Il dit que depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis Mobutu, le petit peuple croupit toujours dans la misère et que... La Lingala. Et que gouvernant, bah, ça l'aura bien. Évidemment, on les constate encore parce que peuple niveau n'a pas vie, n'a pas matité. Voilà. Togolobango, t'es qui est zate. Makamu, par exemple, Tolobi, Yanini, y a Kokitabiloko. Kokitabiloko, pas plus tard que Lobby. J'ai suivi dans les formations que... ministre économie bakutani na batouana na batoua DGDA parce que batoua fait balobagi na bango que douane balobi que douane mutazo matsabilo kouana. On est parti se renseigner auprès de la douane. Le directeur général de la DGDA était dans la réunion à ABC bango. Pardon, bref, si bango il tumatom à souka que finalement. Mais il faut qu'il y ait des pourparlers. On n'est pas dans, un état dictatorial. La semaine est là. C'est là dans aucun détail. Quand on a gouvernement union sacrée, oh yo, toi comme on a bateau bah warrior, s'il vous plaît, quand on a bah warrior gouvernement, à d'autres cas bah batera bateau, bah petite valeur. Ah bah tu n'as pas réunion on a. Si métier à Kassavou, tout ce qui est en quoi. Au dernier expert, ma moitié défoncée. Nazo répondre yo. S'il vous plaît, Nazo répondre yo. La question on a. Banana na wana. Na kosuki sana wana. Vous avez 2 minutes, Jérôme. 2 minutes. Yaliboso, élection en 2023, Ezali. Ok, précision, détail. Moutou a bandi qu'on peut sa justification. Et ça, tu sais que dit. Et ça, Moutou a bandi qu'on recourir n'a pas effet à la COVID. Tu sais que dit à l'oubli en voté. De 1, de 2. Pour les amis, ok. De 2. Namboko, qu'il tire, il y a des missions, et ça, tu sais, comme intimidation. Bah, il y a des missions, Lunda Bouloulou, Bernard Biango, et puis Bazarar. Mais en bas, tu as démissionné, bah, intimidation. Quand le chef de l'État a l'oubli Nabino, mot d'ordre à ma partie politique, Botika Yango, Bossal et Lamboka, quoi de plus normal. De 3, Ndeko Belesi, je te garantis, et ça c'est réfléchi. Mobutu a longo le pouvoir dans un moment où le peuple congolais, bah, comment il faut gérer kaka par le départ de Mobutu. Kabila a longo le pouvoir tant que le peuple va communiquer kaka par le départ de Kabila. Comme aujourd'hui ici. Le loyo, Nganayo, je te mets au défi. Au commande en 2023, yo mokona no voté Tshisekedi. Non, laisse-moi parler. OK, mais laisse-moi répondre à la question d'Alain. Voilà. Laisse-moi répondre à la petite valeur tu na gouvernement sacré. Laisse-moi répondre à la question d'Alain Chekomba. Au moni de Flavien. Toi ba makampona ko lobati. Il faut qu'auditer Kingakati. Ce n'est pas réfléchi. Parce que Kingakati, on est qui jungle. Kabila m'a valorisé en haut. Kabila, même si à l'hypothèse la plus extrême, Barbie que Kabila il est bon, mais il a investi au pays. Avant, il y a qu'auditer Kabila. Bato va travailler dans Mobutu. Je suis content. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi en dehors du pays. Moi, si à Kabila, je suis Katabilanga, et c'est un bon exemple. Là, tu réfléchis bien. Oh. Mais laisse-moi réfléchir. Ça, c'est encourageant. Là, c'est bien. Ça, c'est encourageant. Mais quand il défend Félix, Mamé, je combat. Je finis par là. Il est expert dans ma commande. Je finis par là. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Ce qui est pour Kabila na Kingakati. Et qu'on soit en désert. Ce n'est pas important parce que c'est le Congo qui a bénéficié. Merci. L'erreur qu'avait commise. C'est métier. Non, il y a un c'est ce que je parle. Vas-y. Et l'autre, c'est Mobutu, c'est commettant. Yango wana ba sala o Kabila salate. La conséquence, ba komi koko tana biloko abatu. Tala vundo ou tepe mako. Directeur de cabinet et chef de l'État. Bamboula na bamboula. Le nom de Misunaye Komikaka, dans le cimetière à Kassavou. Parce
tu n'as pas fait ce que Kabila a fait. Tala Vundo était Pemako. A commis qu'on induit le chef de l'État en erreur. A commis qu'on induit le président de la République et le premier ministre en erreur. Dans le dossier à cimetière. Et pourtant, le journal officiel de la République vient d'écrire le 15 juillet, Oyo, à l'Obinini, à l'Obi, tous les arrêtés que Molendo a prétendu signer ne sont pas publiés au journal officiel. Le 17, il y a moi, Oyo, il y a eu plaidoirie dans l'affaire qui oppose les occupants du lotissement IPAC, Nas Africom, Oyo, Vundo et Akreya, na boutiquage naïe, na Elongo, na Molendo. À l'heure où je vous parle, merci. IGF assis, a signé ordre d'émission Moko pour passer la contrôle. Il y a une bagatelle de somme, il y a 23 millions. Oyo, Safricom, Azotia sur le dos du trésor public. Tant que l'IGF a tombé sur ces gens-là. Merci pour l'information. Qu'est-ce qu'ils vont en parler aujourd'hui? Un conservateur qui te dit. N'a signé qui. Gauthier. N'a respecté qui t'en a eu après. Si voilà, d'autres informations pour moi. Alors, le loyo. Merci. Le conservateur qui s'est contredit lui-même. Bako condamné. Merci beaucoup. Et Bako condamné. Justice et Gauthier. Merci beaucoup. Tu aussi, c'est vraiment M. Sili. Et M. Sili, dans le Maroumi, ça, tu n'as pas constaté intolérance et bateau union sacrée. Même Yomoko, présentateur émission, Bobo, tu n'as pas de question. Des deux, arrogance et Ndegonanga à droite. Il nous a parlé de la loi des finances. Mais Yemoko qui attend à Kiaronga à Tangaï, mais il nous a pas dit combien on a déjà mis de côté. Attend à l'obic, c'est qu'on aime. Et puis il minimise. C'est comme s'il lui représente quelque chose au sein de l'Union sacrée. Il n'est ni député provincial, ni national. Mais c'est qui a emporté la majorité là. Il est cadre à l'IDPS. Hein? Mais c'est quoi un cadre à l'IDPS? Et de trois. Alors, Kuna Babige, non, Kaka Kunda Boulou, ce qui Bunda Bunda a démissionné. Mais Namboka Oyo. Moutin a démissionné. Sam a aussi le démissionné dans Katumbi. Il y a plus de 4 ministres qui ont démissionné. Donc, il n'y a pas de justice dans ces pays. Eteni Longondo. Eteni Longondo. Azal libre. Objectivité. 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 C'est un anti. Na 2010. Na 2010 na Kananga. Na 2010 na Kananga. Le ministre Makaire Mwangu a lancé la gratuité pour 3 provinces. Katanga. Assaï central, mais de première à troisième. Mais je l'ai dit, j'ai couvert ça. Beta na Radio Capi 2010, gratuité. Donc ici, merci. Mais tu n'es pas informé. Merci. À ce moment-là, je ne sais pas où tu étais. Merci à vous. Tu as écouté le lobby mardi dans la diffusion. Merci beaucoup. Et là, nous sommes dans une république. Ma Mission TV, le miroir du monde.